Bon, allez, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. David Abbassi est avec vous, comme tous les lundis, hein. Et vous avez la parole. On va vous écouter avec grand plaisir. 95.2 FM. Sinon, sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, vous tapez ici et maintenant.com. Vous pouvez nous regarder, écouter dans le monde entier. Bonsoir, monsieur Abdel. Comment allez-vous? Bonsoir, monsieur Abbassi. Merci. Bien, ça va. Très bien. On vous écoute, monsieur Abdel. D'accord. Donc, moi, j'ai écouté au début. J'ai écouté votre point de vue concernant l'antisémitisme en France. Mais pas moi, je crois que ça c'est un point. Mais c'est pas peut-être il y a de l'antisémitisme, peut-être, mais il y a aussi de l'antisionisme. Et secondo, je vous écoute parfois le lundi, mais ce que j'ai constaté, votre manière, c'est que vous posez un sujet, on peut discuter, on peut analyser tous, les auditeurs. Mais par contre, le problème, c'est que vous donnez une analyse à vous, au lieu de donner les informations, de citer les informations données par les médias. Et comme ça, on peut être informé. Et après, nous, c'est à nous de donner notre point de vue. Mais normalement, c'est pas à vous de donner votre point de vue. C'est comme les journalistes de maintenant. Les journalistes de maintenant, c'est eux qui donnent leur point de vue. Au lieu de donner les vraies informations, ils donnent leur point de vue. S'ils ne peuvent pas, ils invitent des spécialistes. Alors, monsieur Abdel, écoutez bien. Écoute, mon fils. Écoute. Vous m'écoutez ou non? Bien sûr. Voilà, écoutez. Déjà, ce n'est pas à vous de décider ce que moi, David Abbassi, dois faire, premièrement. Deuxièmement, je ne suis pas une chaîne d'information pour vous donner des informations que vous voulez. Moi, je donne quand même des informations. Au départ de mon émission, chaque fois, je vous donne des informations et après, je commence à parler ou je vous fais parler. Je vous donne des informations. Mais si les informations que moi je vous donne, vous n'êtes pas d'accord avec, c'est autre chose. Et 2500 fois j'avais dit, laissez tomber David Abbassi. Exprimez-vous. Parlez-vous. Et donnez vos informations. Quand je vous demande sur quel média vous avez entendu ça, comme j'ai demandé tout à l'heure, vous me dites, voilà, sur tel média, tel jour, j'ai entendu ça. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Au départ de mon émission, je vous ai donné, même ce soir, comme tous les jours, certaines informations tout à fait fraîches. Qu'ils soient sur Bernard Tapie, Carlos Ghosn, le roi de Brunei, Robert Badinter, son interview avec Le Point, tout ça, c'était des informations. Mais puisque vous n'aimez pas, puisque vous êtes anti-juif, anti-sioniste, vous n'écoutez pas. Et maintenant aussi, je vous ai dit, ne jugez pas David Abbassi. Ne prenez pas la décision pour David Abbassi. David Abbassi, il sait ce qu'il doit dire, il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il doit penser. C'est à vous de vous exprimer. En plus, David Abbassi, c'est un historien. C'est un politologue. David Abbassi, c'est un philosophe. Quand il parle, il vous donne des informations scientifiques. Débattre les informations, les données scientifiques qu'on vous donne. Ne jugez pas David Abbassi, ne jugez pas ce que je vous donne. Vous pouvez l'analyser, vous pouvez vous exprimer. Mais soyez voilà comme c'est. Jamais ne dites pas que moi, comment je dois être. Je ne suis pas là pour que vous me donnez de leçons. Déjà, vous ne connaissez rien du tout sur certaines choses. Vous dites anti-sioniste. C'est quoi le sioniste? Vous ne connaissez pas. Et si vous lisez l'interview de Robert Badinter, quand même, toi,
Tu vas pas me dire que tu penses mieux que Robert Badinter quand même. Ce n'est pas David Abbasi, c'est Robert Badinter. Dans son interview lui-même, il dit antisioniste, c'est le masque, le nouveau masque d'antisémitisme. Et c'est un débat qui existe déjà même en France, dans ton pays, dans notre pays ici, que même Macron, il a prononcé ce mot-là. Parce que vous savez, être antisémite, citer les juifs et tout ça, c'est des crimes en France. Ils ont changé de méthode, de parole. Ils disent « sionisme ». C'est quoi « sionisme » ? À quoi ça te regarde l'État d'Israël qui est tellement loin de toi et toi, tu as tes problèmes ici en France ? Et que les Palestiniens, eux-mêmes, ils collaborent, ils travaillent avec les Israéliens. Toi, tu es qui ? Tu es qui, toi ? Pour pouvoir décider, parler au nom des Palestiniens qui eux-mêmes, ils travaillent avec Israël. C'est ça que vous devez comprendre. Monsieur Abdel, vous avez la parole. Je vais vous donner la parole. S'il vous plaît, analysez, parlez avec sagesse. Ne dites pas, ne sortez pas la haine que vous avez en vous contre David Abbasi puisqu'il vous donne des informations que vous n'aimez pas. On vous écoute, monsieur Abdel. C'est pas de la haine. L'injustice, il faut régler ça par la justice, par la paix, par l'amour, comme vous dites, monsieur Abbasi. On vous écoute, monsieur Abdel. Ben, c'est tout ce que j'ai à dire, monsieur Abbasi. Déjà. Merci, monsieur Abdel. Alors, monsieur Abdel, vous voyez, s'asseyez pendant toutes ces minutes-là qu'ils étaient en train de parler, surtout que j'ai pris l'autorisation de parler après le laisser parler. Lui aussi, il était en train de parler. Il n'écoutait pas. Parce que même de temps en temps, on n'écoute pas. Ce matin, j'étais avec une grande personnalité, on peut dire. C'est quelqu'un. Comme cette grande personnalité, vous en avez énormément, non ? Dans la société. C'était quelqu'un quand même. On était en train de parler. On était 4-5 personnes. Cette personne ne me connaissait pas. C'était la première fois qu'il me voyait. Il ne me connaissait pas. Mais c'était quelqu'un, par exemple, disons patron d'une société, disons patron je ne sais pas, c'était quelqu'un responsable dans la société. On était en train de parler. Moi, je rends hommage à cette personne. Je dis, madame, bravo, vous êtes formidable. Depuis ce matin, j'ai constaté que vous étiez très accueillant, souriant, et je vous félicite, bravo. Il n'était pas en train de m'écouter, cette personne, mais puisque je m'appelais David Abbasi, et les autres, ils avaient un autre nom, moi, j'étais David Abbasi, et l'autre, il a dit ça, seulement en pensant que c'est David Abbasi, il a dit quelque chose, et surtout que je dis ça avec joli sourire également, la personne était fâchée. La personne était fâchée, très violente. Et les autres, ils ont dit, madame, est-ce que vous avez compris qu'est-ce qu'il a dit ? Non, je n'ai pas écouté qu'est-ce qu'il a dit. Alors, si tu n'as pas écouté, pourquoi tu es violent ? Pourquoi tu es agressif ? Pour lui parler des fois, c'est comme ça. Les gens ne vous écoutent pas. Dans la tête, il a ça. Il a quelque chose dans la tête. C'est fixe. C'est fixe. S'il te donne des informations qui ne correspondent pas avec ça, oh, c'est la crise. C'est la crise. J'ai jamais fait publicité, je ne fais pas de publicité pour aucun média et tout ça, mais seulement il y en a une chaîne de télévision israélienne. Écoutez-le. Écoutez-le. E-News, E24 News, quelque chose comme ça. C'est une chaîne de télévision en français diffusée à partir d'Israël. Les informations que vous entendez sur cette antenne concernant Israël, qu'il soit du conflit, qu'il soit n'importe quoi, jamais vous n'entendez pas dans d'autres médias
dans d'autres médias, vous n'entendez jamais. C'est-à-dire, au même, il dit tout, toute l'information, il te donne tout. Il te donne tout, cette média. Ce n'est pas un média européen qui a peur d'être condamné comme quoi il a diffusé quelque chose qui était antisémite, je ne sais pas. Quoi, ce n'est pas une chaîne de télévision projetée X, Y, de 10 ans. Non, il te donne toutes les informations. Écoutez toutes les informations. Vous, ça fait des années, à l'époque, c'est des leçons que je vous donne. Ici, nous sommes dans une salle de conférence. Vous étiez déjà dans votre vie étudiant. Vous étiez déjà allé à l'école, lycée, université. Qu'est-ce qu'on apprend là-bas? On apprend là-bas des choses qu'on ne connaît pas. On apprend des choses. Et si vous avez le contraire de ce que moi je vais vous dire, le contraire, si vous l'avez, ramenez-le, mettez sous le table, en prouvant. Ne pas venir dire n'importe quoi. Vous devez dire ça, devez des informations, je ne sais pas quoi. Moi, je sais très très bien, je ne suis pas con. Je sais très très bien que pour la plupart des gens qui nous écoutent, malheureusement ou heureusement, ce sont des gens qui sont un peu comme ça, voilà. Mais vous n'êtes pas bien informés, mes chers amis. À ce jour-là, je précise, le conflit israélo-palestinien s'est terminé. Aucun pays qui est contre Israël. Cette petite brouille aussi que vous entendez, c'est de conflits, des crises intérieures que certains pays musulmans les ont, qu'ils ramènent les gens aux frontières pour manifester, parce qu'ils payent. Moi, je suis au courant. Vous n'êtes pas au courant? Il y a certaines lois mondiales pour empêcher l'argent soit distribué gratuitement parmi les familles pauvres d'aller manifester. C'est organisé, ça. Il y a des organisations derrière ces manifestations. Tel État, il a des problèmes intérieurs. Tel État, il a des problèmes des élections. Il veut ça, il veut ça. Mais il n'y a pas de conflit israélo-palestinien, c'est terminé. Maintenant, Palestine, eux-mêmes, tous les chefs palestiniens, ils sont en négociation, en collaboration avec Israël. Et toi, tu es qui ici pour vouloir défendre Israël ou vouloir défendre Palestiniens ou de dire des informations qui n'est pas correctes concernant Palestiniens? Chaque vendredi, il y a 5, 6, 7 tués. Comment? Où? Quels sont les noms? Il ne faut pas dire n'importe quoi. Après, il dit, oh, à la frontière, ils manifestent. Vous ne savez même pas de quoi vous en parlez. C'est fini, c'est un autre monde maintenant. C'est un autre monde, mes chers amis. Maintenant, il y a un autre conflit dans le monde qu'ils ont créé. Ça aussi, c'était créé pour l'argent, pour le pétrole, pour continuer les guerres. C'est la guerre chiite et sunnite. C'est ça, le conflit, c'est ça actuellement. On est en train de le faire en Yémen, à Daesh, porte-avions, Charles de Gaulle, porte-avions français Charles de Gaulle. Il est toujours dans le Méditerranée, proche de la Syrie, et il est en train de cibler certains petits endroits qui restent à la main de Daesh. C'est comme ça, collaboration, c'est international. C'est fini de la blabla de l'époque, de la blablabla blablabla que vous ne saviez rien de tout sur certains sujets que vous parliez. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Bonsoir, c'est qui? Bonsoir. Allô? Allô? Je vous prends en direct, hein? Toi? Parlez, s'il vous plaît. Allô? Vous parlez pas. Vous parlez pas. Ok, on laisse la place libre pour l'autre personne. En composant le 08 92 23 95 20, vous avez la parole pour vous exprimer, mes chers amis. Allez.
Voilà, en composant le 08 92 23 95, vous avez la parole et nous avons M. Farid avec nous. M. Farid, bonsoir. Bonsoir, M. David Abbassi. Comment allez-vous? Très bien, et vous, M. Farid? Non, pas terrible. Pas terrible. Madame va bien? Oui, oui, elle va bien. Elle va. Excellent. Au moins de bonnes informations parce que Bouteflika. Elle m'énerve un peu, mais elle va bien. Les femmes sont comme ça, hein? Les femmes sont faites ouais, pour. C'est l'amour de la vie, hein? C'est l'amour de la vie. Je fais un appel à la radio. S'il y en a une autre qui veut de moi, je vais la changer. Elle va te tuer ce soir, Farid. Fais attention, ne dis pas n'importe quoi. Elle va te tuer. Une femme de 50, contre deux de 25. Ah, tu vas le délai prendre une femme de 25, c'est ça? Non, je change une femme de 50 contre deux de 25. C'est halal de faire l'échange? On peut faire l'échange comme ça? Je fais la monnaie. Hey, t'es bon, France face à l'euro. Bon, j'arrête de dire des conneries. Mais Bouteflika, ça y est, hein, il va partir alors? Non. Non? Elle en a marre de moi, mais elle ne va pas partir. Mais on vient d'entendre comme quoi, avant le 28, il va démissionner. Ah, tu parles de Boutef, ah oui. Bouteflika, Abdelaziz. Oui, il va partir. Oui, il va partir. Il va partir, mais ils vont mettre des photocopies d'eux. C'est qui, Salah, à ton avis, c'est Salah qui va prendre le pouvoir? Je ne sais pas, mais je crois qu'ils ont nommé 5-6 personnes, tu sais, pour faire la transition, 5-6 ministres. Qu'on sait, alors? Pour faire la transition, mais c'est eux qui déplacent. C'est-à-dire, ils vont mettre des gens qui vont arranger leur salade à eux, quoi, leur magouille. Normalement, le peuple, il dit, on veut personne de... Tous ceux qui viennent de votre part, on ne veut pas aucune solution de votre côté. Parce que ce n'est pas des gens qui ont contribué à faire la merde et la pagaille. Ce n'est pas eux qui vont nous trouver les solutions. Les solutions, on va les trouver par nous-mêmes, par le peuple. On va proposer d'autres personnes. Mais on ne veut pas que ce soit ceux qui nous ont arnaqués qui nous proposent des solutions. Tu comprends? Donc on ne sait pas comment ça va finir tout ça d'ici le 28, je ne sais pas. Enfin, pour en revenir au truc, là, j'ai pris une émission en cours, là, tu parlais d'Israël et de la Palestine. Moi, je crois que pour arriver à une solution, il faudrait faire un seul pays. Juifs, chrétiens, musulmans, dans le même pays. Comme au Liban, comme en Belgique, avec les comment on appelle ça, les francophones et les néerlandophones, je ne sais pas comment on dit. Donc, ils font partie d'un même pays. Comme ils ne veulent pas se le partager, chacun veut plus, l'autre veut plus, l'autre veut plus. En fin de compte, on efface tout et on fait un seul peuple. Un seul pays avec chacun sa spécificité, celui qui est religieux, qu'il soit de n'importe quelle religion, il a le droit de citer, qu'il soit juif, musulman, chrétien, druze ou athée. Et on fait, comment on appelle ça, un régime donc où on sépare l'Église et l'État, c'est-à-dire la synagogue, la mosquée, toutes les obédiences. On supprime tout ça au niveau de l'État. Chacun peut pratiquer, comme en France, un État laïque. Chacun a le droit de croire à ce qu'il veut et de pratiquer sa religion. Mais politiquement et socialement, il y aura des élections. Et puis que, voilà, ils arriveront à trouver peut-être des solutions. Parce que, puisque, apparemment, c'est presque le même peuple, ou pratiquement le même peuple, avec la religion qui les diffère. Hein. Donc, en France, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des juifs, il n'y a aucun problème. Hein. Pourquoi ils ne feraient pas pareil là-bas? Parce que les orthodoxes, les intégristes juifs disent qu'Israël, c'est un État juif. Les musulmans disent, nous, on veut un État musulman. Les chrétiens, ils le disent pas, mais ils pourraient dire, on veut un État chrétien. Donc ça ne peut jamais s'arranger. Il faudrait qu'on enlève, au niveau de l'État, la religion, qu'on dise que c'est un pays laïque, et que chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais la gestion du pays, elle se fait du point de vue laïque, comme en France. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est une solution, alors c'est important, mais tu sais, ce n'est pas à moi et toi, Farid, de prendre la décision. Non, mais c'est une discussion entre toi et moi. Qu'est-ce que tu en penses de ce que je te dis là? Moi, je pense que c'est un rêve formidable, c'est bien. Mais tu sais que l'Arabie Saoudite, il a donné des plans
Iran, Ali Khamenei, il a donné des plans. C'est les deux chefs des pays musulmans. Tous les deux, ils sont d'accord pour deux États. C'est-à-dire, tout le monde, il pense deux États plutôt qu'un seul État. Puisqu'il y a un seul État, surtout concernant le conflit qui existe depuis des années entre, enfin, ce conflit, c'est récent, parce que tu sais que les Juifs avec les musulmans, pendant des siècles, ils vivaient tranquillement, sans aucun problème, qu'ils soient en Algérie, en Irak, en Syrie, ou en Palestine. Même le gars d'une grande partie des gens des pieds noirs, tout ça, aux Juifs. Au lieu de faire deux États, ils vont faire un seul État. C'est comme ça, il n'y a pas de problème. Ils ont la même caisse pour tout le monde, le même président. Et avec les élections, ils vont choisir. Ça peut être un Juif, ça peut être un chrétien, ça peut être un athée, ça peut être un musulman. Ça va être comme le Liban. Ils ne vont pas voter en fonction de la religion, mais ils vont voter en fonction d'un projet social. Ça va être après, ça va être... laïque. Non, je vais te dire franchement mon idée, hein. Je vais te dire. Regarde, ça va être des bordels et comme en Liban. Regarde, Liban, c'est presque comme ça. Parce qu'en Liban, le président de la République doit être chrétien. Premier ministre doit être sunnite. Et chef de parlement, Nebih Berri, doit être chiite. Malgré cette problème-là, les Juifs ne sont pas dedans. Alors, si les Juifs étaient dedans, c'était pire, parce que une grande partie vont être toujours, tu sais, la jalousie contre les riches et contre celui qui travaille plus, ça existait toujours. Non, David, le problème en Liban, c'est pas valable. Moi, je trouve qu'on ne doit pas choisir un président parce que il doit être chrétien ou il doit être musulman ou juif. On doit choisir un président parce qu'il rassemble tout le monde. Parce que c'est un projet, pas religieux, c'est un projet social et républicain. Tu as tout à fait raison. Parce que ce projet, tu sais, c'est un projet colonisateur. Non, mais il faut mettre la religion de côté. Si on enlève la religion, il y aura beaucoup moins de problèmes parce que les gens, ils vont regarder le travail, la santé, le développement, le pouvoir d'achat. Ils vont pas regarder si t'es juif, si t'es chrétien ou t'es musulman ou même t'es athée. Ils en ont rien à foutre, les gens. Ce qu'ils veulent, c'est vivre. Vivre le mieux possible. Qu'on soit juif, musulman, tout ce qu'on cherche tous. À vivre correctement. Pourquoi est-ce qu'on va chercher des religions pour faire des emmerdes? Parce que toi, t'es juif ou parce que toi, t'es musulman, donc tu vas être mieux? Non. Ça peut être un connard. Ça peut être un juif, un connard. Ça peut être un musulman, un connard. Ou un chrétien ou un athée, un connard. Des connards, il y en a dans toutes les religions, des salopards. Donc, on ne regarde pas la religion, on regarde ce qu'il apporte au peuple, au pays. On fait un seul pays avec toutes les religions, mais les religions, elles restent chacune dans leur intimité, pas au niveau de l'État. Point. Moi, c'est ma solution. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, mais c'est impossible. C'est impossible. Alors, moi, je trouve une solution. Déjà, les deux pays n'acceptent pas eux-mêmes. Déjà, écoute, depuis qu'Arafat il a serré la main de Shimon Peres, et même ils sont venus ici à Paris, ça fait longtemps. Non, je suis pas d'accord avec toi. Là, on s'en fout ni d'Arafat, ni de l'Arabie Saoudite, ni de l'Iran, ni de l'Amérique, on s'en fout de tout le monde. Nous, on veut vivre, on se respecte, qu'on soit chrétien, juif, musulman, athée, druze, peu importe, on se respecte, on est dans un seul pays, et on va avoir une vie la mieux possible. Et chacun avec sa religion, mais la religion, elle n'a pas le droit de discuter. Comme tu disais, pas d'islam politique, pas de judaïsme politique, pas de christianisme politique. La politique, c'est réservé à la société et non pas aux religions. La religion, c'est privé. Chacun fait sa religion là où, dans sa maison, ou dans son église, ou sa synagogue, ou sa mosquée. Mais au niveau de l'État, l'État n'a pas de religion. Voilà. Non, ça c'est bien, non? Ça c'est bien, je suis d'accord avec toi. L'État sans religion, c'est-à-dire tout l'État dans le monde devrait être comme l'État français, puisque la France est le seul pays laïque dans le monde. Ah, il n'y a pas de religion qui compte. Les religions, c'est dans le... Mais ça c'est un rêve. Parce que même, regarde, en Europe, seulement c'est la France, unique pays laïque, une séparation d'église partout, en Allemagne, en Angleterre, partout... on te demande quelle est ta religion, par exemple en Allemagne,
chaque individu doit payer des taxes pour la caisse de la religion qui est reliée à cette religion. Si tu es musulman... Ça devrait être interdit, ça. Interdit. Ah non, ah voilà, c'est lui, ça. Hein. Lui qui veut donner des sous à son église, à sa mosquée ou à sa synagogue, il la donne, mais on peut obliger personne. La seule chose qu'on peut obliger, c'est un État qui va être égalitaire et démocratique, qui reconnaît des individus, mais pas les religions. Ça, toi, c'est... tu travailles, toi, tu as le droit à logement. Le paradis, c'est ça. Le paradis, c'est ça. Voilà. Que tu sois juif, chrétien ou musulman, tu as les mêmes droits. Les mêmes droits que tout le monde. Et la religion, tu la fais chez toi. Voilà. Moi, c'est ce que je propose. Ah, oui, non. Moi, c'est mon idée. Hein. Je suis d'accord. Hein. L'État doit être neutre. Demain, on va signer, toi et moi. Voilà, l'État doit être neutre. Ça y est, c'est déjà signé. Voilà. Voilà, on va avoir le prix Nobel de la paix. Mais tu sais, Pape, il était en Maroc. Pape. Qui est le Pape? Pape, oui, oui, il est en Maroc. Et là, il a dit, ouais, bah, Jérusalem, il devrait être pour les trois religions monothéistes. Il a qu'à aller en Algérie, tiens, pour faire un tour. En Algérie. Tu l'as pas invité, il y a hein? Des chrétiens en Algérie aussi, hein. Tu l'as pas invité, il faut l'inviter, Farid. Il faut inviter Pape. Oui, tiens, j'ai pas pensé, il faut que je lui écris, je connais pas son adresse. Non, mais écoute, il faudrait que les religions, qu'elles soient musulmanes, juives ou chrétiennes, ou peu importe, n'importe laquelle, il faudrait qu'ils arrêtent. Chacun a le droit de penser, de croire qui veut, mais au niveau d'un État, il faut pas parler de religion, quelle qu'elle soit. Ça serait la paix du monde. Mmh. On a déjà assez de problèmes entre les pauvres et les riches, et en plus on vient rajouter les religions, c'est la catastrophe. Déjà, il y a des riches qui veulent être encore plus riches, et qui veulent que les pauvres soient encore plus pauvres. Si en plus tu rajoutes la religion, ben, c'est la fin du monde, là. On va jamais s'en sortir. Moi, je vais demander à tous les gens qui habitent la Palestine, Israël, la Jordanie, toute cette région-là, on leur dise, vous nous faites chier avec vos religions, les 3-4 religions qui existent, vous nous faites chier. On va vous faire un seul pays, et puis vous allez voter pour celui qui va vous proposer, non pas la religion, celui qui va vous proposer la meilleure vie possible, et l'égalité et la démocratie. Mais votre religion, vous la gardez pour vous, quelle qu'elle soit. Voilà, ben écoute, je ne vais pas rester trop longtemps parce que ma femme va me casser la gueule. Elle est méchante. Ouais. Voilà, en tout cas, je vous embrasse et vive la laïcité et que chacun croit à ce qu'il veut, mais chez lui. Parle pas de religion, parlons pas de religion. Farid. Parlons juste de la vie en société. On est tous des humains. On a tous besoin de vivre, de manger, d'aller à l'école, de se soigner. On n'a pas besoin de religion, on peut vivre sans religion. Par contre, on ne peut pas vivre sans manger et sans se soigner. Et sans et femme. Sans religion, on peut vivre. Sans femme. Les femmes sans hommes, les hommes sans femme. Ça aussi, bah, la famille. C'est-à-dire, regarde, la famille, ça commence avec F, comme femme. Famille. Oui, famille. Ouais, bon, tout ça, tu sais, même les chrétiens, les théologiens, ils ne sont pas sûrs que Adam et Ève ont existé. Hein. Ça se trouve, c'est une mythologie, ça. Non, ça, c'est existé. Adam était un révolutionnaire. Tu as trouvé ? Oh, bien sûr, j'ai écrit des livres à ce sujet. Adam... Les archéologues, les historiens, les archéologues n'ont trouvé aucune trace ni d'Adam ni d'Ève. Ah oui, de ce qu'on nous a dit, c'est vrai. Mais ce qui existait réellement, avec ce qu'on nous dit, c'est pas la même chose, hein. Non, les gens disent ce qu'ils veulent. Chacun raconte l'histoire qu'il veut. Ouais. Les théologiens, les vrais théologiens sincères, ils te disent Adam et Ève, c'est même pas prouvé. C'est une histoire, tu y crois ou tu y crois pas. Mais ça ne relève pas, ça relève que de la foi, et ça relève pas de la science ou de l'histoire. Ça relève de la mythologie. Mmh. Après, tu veux y croire, c'est comme le Père Noël, si tu veux y croire, il existe. Si tu y crois pas, il n'existe pas. Mais en réalité, si tu cherches bien la preuve du Père Noël, tu la trouves pas. Mmh. Et Adam et Ève, c'est pareil. Mmh. Voilà. Bon, écoute, je ne reste pas trop longtemps. Merci, Farid. Au revoir. Pour la paix. Au revoir. Au revoir. Alors, j'ai un livre que j'ai écrit il y a déjà 30 ans. J'ai rêvé de Dieu. Il pleurait comme un bébé. J'ai rêvé de Dieu. Il pleurait comme un bébé. En français.
Peut-être vous pouvez le trouver sur l'Internet. Lisez gratuitement parce que maintenant, on ne dépense plus de l'argent pour acheter le livre. Alors, là-dedans, au départ, j'ai un petit scénario, on peut dire, de quelques pages, sur Adam et Ève. C'est l'histoire d'Adam et Ève racontée par David Abbassi. Vous savez qu'Adam, sa ville natale, était en Perse. Et vous savez, Esther, Mordechai, Daniel, tous ces gens-là, vous savez que leur tombeau est actuellement en Iran, à Chouch. Vous savez ça, non? Voilà, vous le savez. Alors, Adam, c'était un type révolutionnaire il y a déjà 6000 ans, là-bas, dans le plateau perse. Ce type révolutionnaire, c'est un gilet jaune. C'est un révolutionnaire 68. C'est un Robespierre, Danton, je ne sais pas qui. Alors, le pouvoir était trop embêté à cause des idées révolutionnaires de M. Adam. Il va prendre la décision de l'exiler. Parce que le pouvoir n'était pas sauvage à l'époque. On ne tuait pas. Alors, on va arrêter M. Adam. Il a déjà 6000 ans. On va dire, monsieur, vous êtes condamné à être exilé dans le désert de Sinaï. Voilà. Préparez-vous. On va vous ramener là-bas dans le désert de Sinaï. On va vous laisser là-bas. Adam, il dit, écoutez, pas de problème. Il dit au roi, pas de problème, merci, ok, d'accord, au moins tenez-moi tout pas. Mais je vais y aller. Mais donne-moi ma fiancée aussi. Il dit, c'est qui ta fiancée? Il dit, c'est Ève. Ève. Ah, Ève, ok. Ève, est-ce que tu veux bien te marier avec? Ah oui, avec plaisir. Ok, prends-le. Adam, elle va prendre la main de sa femme et il va venir dans le désert de Sinaï. Révolutionnaire, en exil, il ne dort pas bien la nuit, il n'a plus la capacité de satisfaire sa femme, etc. Même de temps en temps, et il le force, il le met par terre pour faire l'amour avec son mari. Mais lui, il ne voulait pas, il ne pouvait pas, il était loin de son pays, etc., etc. Après, il y avait les habitants de désert, les Africains, nos amis africains avec leurs très jolies couleurs, etc., etc., voilà. Et c'est là que la civilisation de Adam va naître et son histoire. Et c'est là qu'il lui a dit au roi de Chouch, roi de Sousse, roi de Perse de l'époque, il lui a dit, punaise, tu m'as exilé, tu m'as éloigné de mon pays, tu vas voir, je vais créer un autre monde, un autre tribu, un autre groupe, ethnie, idéologie, religion, tout ce que tu vas le nommer, et je vais venir t'écraser. C'est là qu'il va fonder la première pierre de Sémite. On dit Sémite, antisémitisme. Sam était un des rois perses. Voilà. Un autre nom de Adam et Ève. Sam, Sémite. Il va fonder ça. Et après, vous avez ses enfants qui vont revenir. Noé, Abraham et tout ça. Et roi David. Solomon. Et roi David. Roi David. Et il va créer une autre civilisation. Et cette civilisation va continuer. Et si vous avez écouté au départ de mon émission, M. Naftali Bennett, le ministre, qu'est-ce qu'il vous a dit? N'importe quoi que vous avez dans votre main, c'est exiler
Adam qui vous a fabriqué. Exilé Adam. Exilé Adam et Ève. Voyez, il a créé un autre monde. Un autre monde pour régner dans le monde. Pour améliorer la vie. Pour faire des découvertes jour après jour. Chaque jour, la nuit ne doit pas tomber sans une invention, sans une création, sans une nouveauté. 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 Et vous savez, actuellement, les enfants de Adam, ils fabriquent le cœur artificiel. Le cœur. On vous donne la vie éternelle. Le cœur. Ce n'est pas seulement Facebook. Ce n'est pas seulement Twitter. YouTube, ce que vous voulez le nommer. Le progrès ne s'arrête pas. Pour ça, mon ami Farid, si on fait un État avec les deux peuples, au lieu de faire toute cette création, invention, etc., etc., les jaloux, qui ne sont pas capables de voir quand quelqu'un, il travaille, ils vont tout détruire, mon ami Farid. Pour ça, il faut deux États séparés. Il faut 12 États. Les propos de M. Naftali Bennett étaient historiques, mes chers amis. Je vous conseille de l'écouter une fois par semaine pour devenir quelqu'un qui est créateur, inventeur. Chaque jour, vous devez inventer, créer quelque chose. Comme mon ami Didier Doplège, il a créé cette radio-là. Vous savez, il a créé le Minitel. Vous savez ça, Didier Doplège? Le Minitel. Au départ des années 1980, même le journal Le Monde, il a écrit ça. Ce n'est pas de plaisanterie. Les cerveaux qui sont petits, qui ne peuvent pas le comprendre. À l'époque, Didier Doplège, grâce à un téléphone qui existait, il a créé un système de Minitel, on peut dire. Et la mère de l'Internet, c'est le Minitel français. Et après, cette libre, radio libre, qui vous donne la parole, c'est une invention. Ici, maintenant, comment il a commencé? Ça, on le laisse tomber, parce que Didier n'aime pas quand je parle de lui. Alors, soyons créateurs. Inventeurs, travailleurs, dispatchant l'amour, la paix, la raison. La raison. Être juste. Laissez tomber la jalousie, la haine. Hein, la haine qu'il a. Oh là là. David, il a parlé encore sur ce sujet-là. Oh là là. Enterrez la haine que vous avez. La jalousie que vous avez. Soyez amoureux. Moi, je suis toujours amoureux. Il faut être toujours amoureux. Voilà, quand vous êtes amoureux de vos enfants, de votre famille, de votre femme, de votre frère, soeur, maman, papa, s'il existe encore, s'ils sont encore là, maman et papa, allez-y, dites-le, maman, je t'aime. Papa, je t'aime. Prenez-le dans vos bras. Embrassez-le. Vos enfants, vous les prenez dans vos bras. Et vous dites, je vous aime, mes enfants. Votre femme, votre mari. Soyez positif. Énergie. Positive. Bonsoir, qu'est-ce que vous en pensez? Bonsoir. C'est qui? Oui, c'est Bachir. Ah, monsieur Bachir, comment allez-vous, monsieur Bachir? Ça va? Oui, ça va.
Voilà, prenez-le dans votre bras. C'est qui est proche de vous actuellement pour le prendre dans vos bras, Monsieur Bachir? C'est qui? Bonsoir. Bonsoir, Bachir. Bachir, c'est qui est proche de vous actuellement, tout de suite, ici et maintenant, pour le prendre dans tes bras et te dire je t'aime? Plus près du ciel, plus près du... Hein? Ton frère, ta mère, ta soeur, ta femme, tu es marié ou non? Non, ben justement... Tu n'es pas marié? Je suis seul au monde. Punaise. Quel âge as-tu, Farid, Bachir? J'ai un masque. Bachir, tu as quel âge, toi? Devant moi. Bachir! Sur une île déserte. Oui? Tu as quel âge? J'ai l'âge de mes artères. Non, on se connaît pas, dis-moi. C'est la soixantaine. 60, c'est bien. C'est-à-dire, t'as pas femme, t'as pas été mariée ou divorcée, c'est quoi? Non, enfin, j'ai eu des aventures féminines, tout ça, mais pas... Pas mariage? Pas de mariage. Toi, t'es intelligent, type. T'es un type intelligent, hein? T'as pas tombé dans le piège, alors. Bachir, on vous écoute. Problème de... d'affectif, enfin, des troubles, à cause de troubles affectifs. Donc, j'ai pas pu fonder quelque chose. Une famille, enfin, notamment, quoi. Oui, ce que je voulais dire, c'est intervenu par rapport au créateur, enfin, à la création de la radio, quoi, de la radio, Didier Deplage qui a créé la radio. Il a créé la radio pour que, pour déjà bon, envoyer, diffuser des messages et tout. Et le plus du plus, c'est faire intervenir les gens pour qu'ils puissent apporter eux aussi leur message, leur point de vue. Après, il y a des hauts et des bas dans les types de conversations, mais pour ma part, bon, j'essaye d'apporter un maximum d'informations, puisque la radio, les ondes, c'est la communication, c'est le monde de la communication. Donc, c'est surtout ça qui est le plus important, d'essayer de voir comment... apporter une information qui va rendre les gens heureux. Donc, c'est très bien que les gens, quand ils apportent quelque chose, bon, il peut y avoir des colères, mais bon, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a aussi apporter des sentiments aussi amoureux, des sentiments, et il n'y a pas que le conflit, quoi, le conflit... C'est l'agitation, dans une constante agitation, on est troublé, quoi. Enfin, après, on répercute cette agitation sur les autres. Vous voyez, dans le bouddhisme, on parle de... la méditation, c'est on fait c'est l'image d'un autre âme, et c'est comme un lac. Et qui quand il y a une agitation, l'eau est trouble. Et cette eau trouble ne permet pas de voir le fond du lac. Le fond du lac qui est nous-mêmes. Donc on est l'homme agité, mais pas ce que nous sommes de la réalité. Et donc permettre d'atteindre la paix intérieure, le calme, de telle manière qu'il n'y ait plus de l'eau, ne soit plus troublée, et enfin réussir à voir le fond des choses. Donc cette agitation dans le monde ne nous permet pas, si on est nous-mêmes de faire éliminer les problèmes, quoi, enfin, de faire disparaître. Alors, on fera disparaître les conflits
lorsqu'on les aura compris dans leurs ultimes racines, pas quand on voudra résoudre les problèmes, parce que résoudre les problèmes, c'est entrer, rester dans ces agitations. Bon, il faut déjà comprendre dans leurs ultimes racines. Et donc là, l'éternel conflit israélo-arabe, américano-russe, j'en passe, enfin, sino, pas, je sais pas quoi. Donc, arabo il y a aussi. Voilà, bon, Dabassi, pôle d'information, de richesse, nous apporte un peu de connaissances. Bon, apporter la paix, bon, ça c'est autre chose. Bon, Smadmet. Smadmet, enfin, je sais pas c'est quelle origine, Sri Lanka ou hindou, quoi. Bon, il y a beaucoup d'intervenants qui viennent, qui apportent la paix, la calme, la guérison, pour certains. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, Bachir, merci, monsieur Bachir, de votre intervention. Je t'en prie, David, allez. Bonne soirée. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Voyez, l'amour, il est tellement bien. La paix, il est tellement confort pour notre esprit. Notre esprit, il a besoin de se reposer. Avec tout ce bordel qui existe dans la vie, le matin jusque le soir, les informations qui est tout à fait 100% négatives. Des problèmes, du vol, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas des informations en faveur des gens qui vont être sans abri aujourd'hui. C'est le 1er avril. Plus de 100 000 personnes expulsées. Les gens qui n'ont plus le moyen de payer leur loyer ne sont pas des voleurs, mais ils ne peuvent plus payer le loyer. Alors, ils vont être expulsés. 1er avril, ça commence. Mais pourtant, Bertrand Delanoë, pendant 13 ans qu'il était maire de Paris, il est venu, Bertrand Delanoë, il est parti, sans bruit. Un type qui vous a ramené aux tulipes, Vélupe. Il a essayé de faire une petite guerre cachée contre les patrons de pétrole. Mais on voulait le tuer, vous vous rappelez Bertrand Delanoë, comme Jacques Chirac, juste au départ, qui devient maire de Paris, Bertrand Delanoë, juste au départ que Chirac il devient président de la République, puisque les ennemis, il sait, ces gens-là, ils sont des choses dans leur tête qui ne correspondent pas avec leur business plan. On va les tuer. Mais imaginez-vous combien l'État est en train de dépenser et à dépenser pour remplacer les véhicules, les bus, les trains par électrique au lieu de l'essence. Tramvailler autour de Paris, il est en train de terminer, presque. Dans certaines villes, il passe. Ça marche avec électricité. Plupart des bus parisiens également. C'était le projet de Bertrand Delanoë dès le départ. Et concernant sans-abri, expulsion,
Il a construit 70 000 habitations pendant 13 ans. 70 000. Puisqu'il n'est plus là, enfin, dans le pouvoir, je voulais dire. Bertrand Delanoë, 70 000. Si chaque maire de chaque arrondissement, de chaque banlieue, il faisait la même chose, construit les maisons, les appartements sociaux. Alors, des dizaines de milliers ne vont pas être expulsés. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont plus le loyer à payer. Ils n'ont plus. Tout est en train d'augmenter. Tout est en train d'augmenter. Les loyers, le prix d'achat, et tout ça, prix d'achat des murs, des maisons, des propriétaires, tout ça est en train d'augmenter. Et le conflit familial, jour après jour, le divorce, les séparations. Quand il y a des divorces, des séparations, partage des biens qu'on n'a pas, endettés, c'est la banque. Encore les banquiers, des voleurs. Premier voleur du monde, c'est des banquiers. Tu n'as plus à payer. Ton appartement, ça coûte 700 000 euros. On vient, on le vend 50 000 euros. 50 000 euros. On le vend 100 000 euros. Tu perds tout. D'ici le lendemain, tu perds ta femme, tu perds ton mari. Malheureusement, si vous avez des enfants où ils vont aller dormir. Et c'est le premier jour de l'avril qui commence l'expulsion. La plupart des tribunaux d'instance, parce que l'individu non plus n'a pas l'argent pour engager un avocat, et il ne sait pas qu'il peut aller chercher un avocat gratuit, la plupart des fois, ces gens-là, ce sont des gens qui n'ont jamais allé demander la gratuité, même pour être juridique, ils ne sont pas au courant. Ils ne veulent pas aller au tribunal. Quand tu ne vas pas aller au tribunal, après un commandement de payer, c'est expulsion. C'est expulsion. Le jugement, on va le rendre sur ton dos. Même de temps en temps, le commandement à payer, tu l'as reçu, tu n'as pas reçu. Ils l'ont paraffé comme quoi tu as reçu. Il y en a des tricheries. Malheureusement, non. Malheureusement, il y en a... petit pourcentage de tricherie partout. Vous devez faire attention. Commandement à payer. Tu n'as pas payé ton loyer, ton appartement, ta chambre, même une petite chambre. L'individu n'a plus l'argent à payer. Il va t'expulser. Condamné. Après être condamné, expulsion, propriétaire, il va engager par son avocat. On va venir expulser. C'est le 1er avril de chaque année qui commence. Pour la plupart des préfectures, ils n'exécutent pas l'expulsion. Mais pour la plupart, ils le font. En plus, il y a des lois. Il y a un fonds. Il y a un fonds pour payer des loyers impayés des gens qui étaient condamnés à expulser. Cet fonds était de 70 millions d'euros. 70. Avant, c'était 70 millions d'euros. Parce que quand vous êtes condamné à être expulsé, l'État, il est obligé de vous trouver un logement. Pour la plupart des fois, au lieu de vous donner un logement, on vous le ramène dans les hôtels. Vous êtes hébergé dans un hôtel. Ça coûte cher, l'État il va payer l'hôtel. 70 millions. Au lieu de créer un logement social, c'est l'argent comme ça qui partait en l'air. Alors, depuis quelque temps, ça aussi s'est baissé, cette fonds de garantie de payer le loyer en retard, de 70 millions d'euros, est arrivé à 20 millions d'euros.
20 millions. 20 millions. Les misères augmentées, l'aide baissée. La société va être en crise. La société va être en crise encore. Crise de logement. Les gens qui étaient bien, la famille, la joie, la beauté, les enfants qui jouaient, la famille qui allait au cinéma, au parc, aux vacances, tout un coup, les disputes entre la famille, papa et maman, divorce, séparation, les enfants en l'air. Les enfants. Et dans un pays tellement riche comme la France, vous trouvez les gens qui dorment dans la rue. Une fois, j'ai rencontré un prince qui était devenu clochard. Un prince. Il était prince, descendant d'un roi. Je ne veux pas donner son nom maintenant, parce que même je l'avais interviewé sur cette antenne à l'époque. Qui tu es, prince ou un travailleur, tu risques de devenir un jour. Alors les politiques, ça serait bien de penser à résoudre tous ces problèmes-là. Et c'est tellement facile. Tellement facile, si on ne donne pas 400 millions d'euros à M. Berlatapi. 400 millions d'euros. Beaucoup de millions et de milliards est gâché chaque année. Non, chaque jour. Et lui, il n'a pas 500 euros pour payer son loyer. 500 euros. Il n'a pas. Il a perdu son travail, perdu sa femme, expulsé. Sa maison était vendue aux enchères. C'était autre. Il vous en reste encore quelques minutes, hein, si vous voulez intervenir. Allez, 08 92 23 95 20. On est là pour vous écouter, mes chers amis. Et vous avez la parole sur cette antenne. Thank you.
Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur Internet, icietmaintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20. David Abassi, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abassi est l'inventeur de l'expression « islam politique » et « islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio télévisées en 4 langues. David Abassi a reçu sur l'antenne d'Ici et Maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-6opinion.info. France-6opinion.info. Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. De ce soir, mais on va le prendre. Voilà, c'est qui? Vas-y, on va le prendre. Bonsoir, c'est qui? Ouais, c'est... Bonsoir. Salut. Oui, bonsoir, c'est qui? Didier, c'est Didier, tout simplement Didier. Ah, monsieur le président, bonsoir. À bien sûr, Didier. On prend en direct dans l'antenne. Comment ça va? Ben, je ne sais pas si je suis à l'antenne. Tu es à l'antenne?
d'accord. Ouais. J'ai bien fait de ne pas monter le son pour éviter le larcin. Ah. Ben, salut, ami David. Bonsoir, Didier. J'ai appris que tu avais un problème de genou, David. Oui. Comment tu te soignes? Je suis allé voir le médecin, IRM, scanner et tout ça. Je suis en train de soigner. Ouais. Ouais. Ça va mieux? Ça s'améliore? Quand je prends les médicaments, ça va mieux. Ouais. Bah, ça me fait un petit peu de mal parce que c'est handicapant pour avoir le plaisir de marcher, de se déplacer. On ne vit pas les choses de la même façon, quoi. Ouais, ouais. Non, ça va améliorer d'ici quelques temps, je crois, puisque tu sais que j'ai tombé de mon escalier, de bureau. Non, je ne savais pas. Les auditeurs ne le savaient pas non plus. J'ai tombé de l'escalier. Après, j'avais pensé que c'est déjà cassé, mais ce n'était pas cassé. Pour ça, je crois que ça va régler, voilà. Bon, et bien voilà, on a pris des nouvelles de David, parce que David, il parle pas de lui. C'est vrai. Il parle de géopolitique, etc. C'est vrai. On se soucie pas tellement de savoir, mais en fait, comment tu vas, quoi, voilà. Merci, mon cher Didier. On a partagé cet secret avec tous nos amis qui sont en train de nous écouter en plus, voilà. Ben oui, bien sûr. Mais ouais, on n'a rien à cacher avec nos amis. Ben voilà, il faut se préoccuper aussi de savoir comment vont les animateurs, voilà. C'est vrai. C'est vrai que moi, toujours comme toi, moi aussi comme toi, on n'a jamais pensé à notre santé, à notre... Toujours, on était avant-garde concernant la société, l'humanisme, les idées engagées, etc. Même, tu sais, de temps en temps, j'avais rendu des médecins et j'avais un autre truc humanitaire à le faire. Je faisais ça, qu'il fallait pas, voilà, malheureusement. On a sacrifié, de toute façon, notre vie pour les choses qu'on aimait, nous aimions beaucoup faire pour les autres. C'est vrai, il y a de ça. Bon, ouais. On va pas s'apitoyer sur notre propre sort. c'est comme ça. J'étais ravi, Didier, de t'entendre ce soir. Merci de ce cadeau que tu m'as donné, de nous appeler, voilà, de parler ensemble. Tu m'avais manqué, et ta voix surtout, sur l'antenne. Je te remercie beaucoup. Je t'embrasse. Mais moi aussi, je t'ai écouté toute la soirée, voilà. Je suis très content. Et je t'embrasse et je te dis bonne santé et profite bien de soleil, voilà. Et à très bien, voilà. À très bientôt. Je t'embrasse, Didier. Merci, au revoir. Moi aussi, David. Au revoir. Au revoir. Ouais. Voilà, ça c'était notre président, fondateur de la radio, Monsieur Didier Deplège. Quand je dis Monsieur Didier Deplège, président, tout ça, il n'aime pas puisqu'il est très modeste, Didier, comme vous le savez. Mais Didier, puisqu'il n'est plus là, il n'écoute plus, ça y est, il dort. Je veux vous dire que Didier, c'est quelqu'un qui, dans l'histoire, ne va pas être répété. Et Didier, c'est parmi des nouveaux prophètes rationnels et spirituels. Vous ne le connaissez pas, peut-être pas bien, mais c'est quelqu'un qui donne toujours. Il donne et il ne prend rien. Et merci Didier, merci. Je t'embrasse et à très bientôt. Mes chers amis, c'était David Abbassi et j'ai eu le plaisir d'avoir mon ami Didier Deplège sur l'antenne. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Restez à l'écoute de votre radio. C'est Morgane, ma fille. Et vous savez, la richesse de la vie, c'est nos enfants. Voilà. Je suis très fier de ma fille aussi. Et vous savez, elle avait d'autres choses à faire, puisqu'elle est styliste et artiste. Et le jour que mon ami Didier Deplège l'a invité de venir ici, il a laissé ce qu'il avait comme boulot. Et voilà, elle est devenue membre de la radio ici maintenant.
puisque déjà depuis qu'il avait 3 ans, 4 ans, je l'ai fait parler. Et il faisait mon jingle à l'époque. Je disais, quand il venait ici, je disais à Didier, regarde, on animait triste. Le plus jeune, Morgan. Et je vais rappeler le souvenir de Claudine, maman de Didier, que je l'aimais beaucoup. C'était comme ma mère. C'était une femme formidable. Une femme aussi comme son fils. On ne peut pas le répéter. Il n'y a pas de double, il n'y a pas de copie. Claudine, mais elle est toujours avec nous, Didier. Claudine, elle est toujours avec nous, son esprit. Elle est toujours avec nous. Merci à toutes, merci à tous. Au revoir. En composant le 08 92